La licorne de la cabane. Noé invite Mila à découvrir sa cabane, mais Mila n'est pas intéressée. Pour la convaincre, Noé lui dit qu'à côté de la cabane vit une licorne. La licorne de la cabane. Noé a bâti une cabane. Il a relié des barres. Puis il a mis du tissu par-dessus. La cabane est un tipi. Noé l'adore. Hey! À l'école, Noé dit à Mila, ma cabane est jolie, tu veux venir? Les cabanes, c'est banal, dit Mila. Noé est triste, alors il a une idée. Si tu passes samedi, tu seras épaté car à côté de ma cabane vit une licorne. Une licorne, j'adore les licornes, hurle Mila. D'accord, je veux venir. Samedi, Mila arrive à la cabane. Noé est assis. Il salue Mila. Hi. Mila s'étonne. La licorne, elle est partie. Noé ne parle pas. Mila redit. La licorne n'est plus là. Alors Noé dit, si, elle est là, juste là. Non, c'est un âne. Et sa corne, c'est du toc. Grosse colère, Mila repart. Alors l'âne mord le pull de Mila. Mila regarde l'âne. Il est si rigolo avec sa corne. Alors Mila rit. L'âne n'est pas joli comme une licorne, mais il est là et il adore les pommes, les carottes et les amis.